Yes, salut tout le monde, c'est Miss Big Girl 45 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ouverture sur Fable Nébuleuse. Et bien sûr, je serai accompagnée de... Mister B-Boy 45. Comment tu vas? Ça va très très bien et toi Sophie? Eh bah oui, écoute, on va s'ouvrir une petite ETB aujourd'hui. Tu es heureuse? Bah ouais, parce que c'est un nouveau set, donc moi j'aime bien. Si t'es heureuse, je suis heureux. On va ouvrir du Fable Nébuleuse. C'est la première fois qu'on ouvre une ETB, évidemment, et on va découvrir... tout cela ensemble. On va aussi découvrir les coffrets premium, mais vous aurez la vidéo un tout petit peu plus tard, demain en gros, voilà, pour la faire courte. Donc on est parti, première vidéo sur Fable Nébuleuse, allons-y, let's go pour cette ETB. Le prix d'une ETB est d'environ approximativement 55€ en moyenne. Ça contient 9 boosters et ça contient des petits goodies comme d'habitude, dont des sleeves pour protéger vos cartes, c'est très important, des dés, tout ça. Les ETB, les collectionneurs adorent ça parce que c'est très sympa. Voilà, c'est toujours très sympa. Les sleeves sont planqués. Allez, on va vous montrer. Les sleeves, j'aime bien par contre, en vrai, non? Ça va, elles sont cool. Les sleeves, je les trouve ok. Je suis pas fan d'habitude des sleeves d'ETB, mais là, je les trouve ok. La carte promo, donc, vous ne pouvez la retrouver que dans ces ETB. Vous êtes obligé d'acheter une ETB si vous voulez la carte promo. Les paquets d'énergie qui finissent très souvent à la poubelle. Les jetons pareils. Les jetons pareils. Les dés une fois sur deux. Les dés une fois sur deux. Les petits intercalaires. Ça, par contre, c'est cool. Des fois, c'est bien. Quand vous faites du tri ou du rangement, c'est pas mal les intercalaires. Ouais, pour ça qu'on ne les jettera pas, Sophie. Bien sûr que non, mon cher ami. Ça, c'est le petit code. Il est pour moi. Et bien évidemment, les 9 ou 8 boosters, je sais même plus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boosters. Donc Sophie, qu'est-ce qu'on a à ouvrir aujourd'hui? Et bien aujourd'hui, on va ouvrir 9 boosters Femme Nébuleuse. D'accord, c'est plutôt pas trop mal. Ouais, c'est plutôt pas trop mal. 9 boosters. On va vite voir si ça les vaut, ces 55€. Et on a aussi une petite AR du coffret Pechaminus, sir. Une petite AR qui est exclusive au coffret, donc le seul moyen de l'acquérir dans votre collection, de remplir votre petit set Fable Nébuleuse, c'est tout simplement d'acheter donc cette fameuse ETB. Ou alors, vous l'achetez à part sur internet, hein, je pense que ça se vend dans les 5-10€, ça dépend des cartes promo fournies à chaque fois. Mais très sympa cette petite Pechaminus. Premier booster et on part sur Malos. Horrifique. Absol. Hypotion. Qurem qui va être énormément joué, la Qurem d'ailleurs. Civière nocturne. C'est une civière que de nuit, les gars. C'est-à-dire de jour, compte pas dessus. Premier river, stop. Stop. On va vous montrer. Je rappelle que la grosse nouveauté de Fable Nébuleuse, c'est que les rivers sont totalement changés. C'est donc des hexagones maintenant qui sont en diagonale avec une Pokéball dedans. Donc c'est les toutes nouvelles Reverse et c'est accompagné d'énergie aussi Reverse qui sont dans le même style. On espère en avoir une dans cette ETB, ça serait pas mal. Et deuxième Reverse, Nosferatu, évidemment. Et la troisième, c'est une holo, c'est Zoroark. Je rappelle que c'est une série... Ah, feuille, incroyable, let's go. Énergie, feuille, donc Reverse. Je pense que c'est de l'exclusivité 6.5, hein. même EV7 et tout n'auront pas ce type de reverse là, c'est juste, à mon avis, c'est juste pour 6.5, c'est très très beau, moi j'aime beaucoup, et ça change un peu, c'est toujours bien d'avoir des énergies différentes à chaque fois. Donc, pas de hits, mais sachez qu'il y a 60 cartes aussi, c'est une très petite collection, hein. C'est un 6.5. Ouais. Hein. On part sur du Vrombi. Vrombi. Coupinette. Chelours qui a une air fabuleuse, je la veux. J'espère qu'on va l'avoir. Malos. Kyurem. Il va être encore une fois énormément joué. Civière. Donc comme je vous ai dit, vu qu'il n'y a que 64 cartes, on va en voir vraiment beaucoup en répétition, parce qu'un booster contient 10-11 cartes. Sablier du pouvoir. Sablier. Dralibou. En reverse. Et une autre holo. Oh, Cresselia, elle est belle. La voix, elle est super belle. Hein. Ah, j'aime beaucoup. Elle est très très belle. Les holos de Fable Nébuleuse sont plutôt belles, je trouve. Hein. Ouais. Et une énergie feuille classique, évidemment, qui finira à la poubelle. Combien tiens de booster saut? Troisième booster. Et on part sur du Eflèche. Skelenox. Démolos. Nounourson. Tiens, Ténacité de Nicolas. Oh waouh, c'est la première fois. Ouais, c'est la première fois. Hein. Non, mais parce qu'en fait, on a tourné un peu dans le désordre. Vous verrez avec la vidéo de demain. Genesec. Dimoré. Moré.
Premier Rivers. Oh, Chelours. Chelours. En Rivers. Deuxième. Ah là, Yveltal. Et peut-être. Et non, c'est-tu dans l'eau ? Tokotoro. Tokotoro. Tokotoro qui sort on ne sait d'où d'ailleurs. Tokotoro. Ouais, bon, ce Pokémon ne me dit rien du tout. Hein. Vraiment, première fois que j'entends parler de lui. Mais on l'embrasse, évidemment. Cradopo. Nounourson. Brindibou. Coiffarelle. Rigole pas. Sablier du pouvoir. Les gars. En vrai, il y a des fois, on pourrait faire un best-of. Ouais, on pourrait. J'aimerais tellement vous faire un best-of de toutes les dingueries qu'elle dit à la place de ce qui est écrit. Art secret. Allez, premier Rivers. Coiffarelle. Doucement. Ah, deuxième Rivers. Dimoré. Moré. Et une holo. Zoroark. Oh, oh, énergie feu. Allez, impeccable. Là, on est content. Putain, il nous reste. Pardon, il nous reste plus que la. Ténèbres, sombre, ténèbres. Nounourson. Oh, statistique. Oh, Persian, première fois qu'on l'a connu. Persian, elle est belle. Non, on l'a eu toute. Non, oui. Non, on l'a pas eu. Dans l'autre vidéo aussi. Sablier du pouvoir. Kyurem, donc très très cool, ceci dit. Noctunois. Et allez, classique. Ouais. Allez, il reste plus que 4 boosters, toujours 0-8. C'est pas mal, Zobie. Allez. Tu nous régales. Non, mais tout va tomber, là. Allez, bah j'y crois. Une alternative, c'est... Et on est good. Il suffit d'une alternative, Quatre. Exactement. Miaous. Hippotrempe. Insistage. Mythe de fer. Rampel. Oh, Cassiopée. Cassiopée. Mais c'est pas la... Pourquoi ils l'ont appelé Cassiopée? Parce que c'est Cassiopée. Sœur, grande sœur. Non, c'est elle, elle a son sac à dos. Faut qu'on regarde, c'est bizarre. Chelours. Oh, oh bah, une gold voilà. C'est pas mal, mais c'est une gold, c'est qu'une gold. Oh, bah, oh là là. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour toi, mais tu ne joueras pas avec, parce que c'est la seule qu'on a. Et oui. Ils ont l'urne terrestre. Allez, ça, alors, je rappelle que les golds, c'est aussi rare, voire plus rare qu'une alternative. Et pour le coup, elle a l'air très très bien cadrée. On en va plus, vous la elle montrer. Va être grave jouée. Hein. Allez, donc, urne terrestre, c'est énormément joué. Hein. Dans tous les decks, quasi, on a une urne. Dans tous les decks, effectivement. On donc, a 3, 4. Bah écoute, c'est très très cool. Ça remplace une alt. Voilà. Ah. Oui, mais il va y avoir un petit bonus dans cette vidéo. On va ouvrir deux tripacks différents aussi, histoire de tout vous montrer en deux jours dans les produits. Je rappelle que les bundles arrivent en septembre. Allez. Ils arrivent très tard. Nosferatu. Coupenot. Malos. Soporifique. Cassiopée. Kyurem. Kyurem. Mochi. Premier reverse. Académie. Deuxième reverse. Timoré. Moré. Et Cresselia. Cresselia en holographique. Il reste 2 boosters. On n'a eu qu'une gold. Putain, waouh. Un peu rare quand même. Hein. Un peu rare. Hein. La gold, je pense que la gold, vu le taux de loot très difficile, je pense que la gold, c'est 25€ au moins. On n'est pas rentable, quoi, en gros. Allez, nous verrons tout. Attends. Persian, c'est la première fois, là. Dis donc, là, j'en suis sûr. Terraglope, brindibou. Rampel. Machination. Nostanfer. Bah, Persian. Deuxième reverse. Oh, t'as mis une petite full art. Soyez pas avare. Donnez un peu. Et allez. Énergie feu, on prend. On prend tout ce qui est énergie en double, on prend. Des énergies, on en a jamais trop, sur soi. Bah oui, comme ça, on peut les jouer. Allez. Eh, sans deck, hein. C'est le last. Hein. Non, moi, j'aimerais bien le singe, parce que je joue énormément. Mais il a le même talent. Hein? Oui, c'est le même. Absol. Hypocéan, il est blindax. Et flèche. Kelenox. Ou Skullinox. Megavolt. Le sablier du pouvoir. Sablier of the power. Ramp L. Allez, premier river, c'est maintenant, c'est le dernier booster. Oh, une alt. Oh, une alt. Tu vois. Sophie. Une alt et une gold, c'est énorme dans une ETB, Soso. Allez, voilà. C'est pas, il y a qu'un dresseur alternatif. Je dis toujours, faut attendre la fin. Et ben, je sais c'est qui. Je pense que c'est le gros chat. Ah, ouais. Filan. Ouais, je pense. Vas-y. Et oh ouais. Let's go. Une
Midnight, une goal, je suis trop content. Mais quel ETB de dingue en vrai. Ça fait Disney, je trouve. Quel ETB de dingue. Oui, non, c'est vrai, un petit peu Ursula, un peu un délire, un peu. Ouais. Ou l'autre, t'as pas. Oh, elle est trop bien cadrée et tout en plus. Oh là là. Quel ETB de dingue. Et on a quelque chose derrière? Non, juste une holo. Noctunoir. Oh là 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 là. Elle est si bien cadrée. Oh non, mais Sophie, je te jure qu'on l'envoie gradée, elle a un 10. Elle est trop bien cadrée. Tu vois? Les amis, nous on est heureux. Nous on est heureux, pourquoi? Parce que déjà on est des joueurs. Ça a mis du temps à venir, mais voilà. Ça a mis du temps à venir, on est des joueurs, on a une alternative et on a l'urne, les amis. L'urne. On est trop contents. C'est-à-dire que si on a une autre urne, Soso, on pourra jouer avec. Donc on est super contents. Je te la laisserai évidemment, parce que c'est toi l'experte des temps passés. On va ouvrir 2 tripacks pour fêter ça quand même, d'accord? Au moins on aura montré tous les items en 2 vidéos. Allez, petit bonus de vidéo, on va ouvrir 2 tripacks. Voilà, c'est l'ultime plaisir, ma petite Soso. Cette fois-ci, il n'y a pas de tripack différent. Voilà, il n'y a qu'un seul tripack avec une seule carte promo. Pareil, si vous voulez la carte promo qui est exclusive, il faut acheter ce tripack-là. Un tripack, c'est à peu près 17 euros, je crois, 16 euros, un truc comme ça, je ne sais plus exactement. On est sur 16 euros le tripack en moyenne. On va s'ouvrir ces 2 tripacks. Le TB est trop contente, on a le smile, on est trop heureux. On est parti, ouverture des tripacks, c'est maintenant. Bonus de vidéo, on va s'ouvrir 2 tripacks, soit 6 boosters. Et donc la carte promo, la voici, c'est du holo Cosmos, comme on l'appelle, holo Galaxy, holo à l'ancienne, appelez-le comme vous voulez. Et c'est une très belle carte promo, hein. Voilà, classique, c'est une holo. C'est Péchaminus encore. C'est une holo. Allez, en Péchaminus, on la met à côté. Oui, parce que l'autre, c'était l'air de Péchaminus, si jamais. Allez, Nosferapti. Mais toi, t'es plutôt chanceuse. Je rappelle que t'es l'une des seules à avoir ouvert 2 stars dans une seule ETB, Sophie. Dans une seule display. Il n'y a que David Lafarge et toi qui l'ai fait, donc j'ai confiance en toi. Allez, première reverse. Soporifique. Non. Oh non. Putain, j'y croyais. Deuxième reverse. Et oh bah, la Fila Canix, ex. Voilà, tout court, tout simplement. Les choses simples parfois aussi, Soso. Je me demande si elle va... Je pense qu'elle peut être jouée, là. Faudrait que je regarde. Donc, en fait, les 3 Pokémon ténèbres s'allient pour affronter Tortue Simia. Voilà un peu pour le lore de Pokémon. Sinon, bah, jouer au jeu, tout simplement. Skelenox. Charibari. Kyurem. Sivir Nocturne. Archiluc. Premier reverse. Cassiopée. Deuxième reverse. Dimoré. Moré. Et une holo. Zoroark. Allez. Booster suivant. Quatox. Skelenox. Skelenox. Dimoré. Moré. Sivir Nocturne, parce que de jour, apparemment, elle est pas dispo. Ouais. Première. Doucement. Oh, une AR, let's go! Oh, Noctunoir. Voilà, là, je suis content. Là, ça vaut le coup, j'aime bien. Et une holo. Ursa King, qui est très stylé, hein, Lolo. Hein. Montre-la un petit peu, parce qu'elle est vraiment stylée, je trouve. Hein. La petite Ursa King, holo. J'aime bien celle-là. Je trouve qu'il a un bon style. Noctunoir, elle est cool. Ouais, la Noctunoir, elle est trop bien. Mais en fait, il nous faut les 3 pour montrer aux gens un peu ce que ça fait. Mais on vous les montrera en live, hein, vous inquiétez pas. Je rappelle qu'on est en live vendredi pour ouvrir du Fable Nébuleuse. Voilà, voilà. Donc, soyez là. Deuxième tripack. Oui, ça va. Franchement, ça va. Parce que, honnêtement, rien que l'air rembourse le tripack. Chelours. Farfuret. Mais attends, c'est la première fois, non? Hein? Farfuret, c'est la première fois? Je sais pas. Zoroastre. Bah. Peut-être. Charibari. Je crois bien. Sablier du pouvoir. Essaye. Genesect. Le Mochi. Mochi de servitude. Première reverse. Miaous. Non. Non. Oh là là, tu m'as mis une feinte. Oh, on l'avait pas. Ça y est, on les a toutes. Allez, on a toutes les énergies normalement. C'est bon. Ça, c'est fait, on est content. C'est Piatop. Brindibou. Hippotrampe. Terraclope. Oh, il y a une high-tech. Rampel. Ah, ça, c'est cool. On est content. Mochi première. Putain, oui, c'est vrai, la première. C'est vrai, ça. Nostanfer. Oh, Pokévital. Ah, très content. Première high-tech de tous les coffrets qu'on a. Donc, waouh, vraiment, très content. Très content. Non. Oh, putain. Faut que tu arrêtes ça. Mais bon, on a quand même une high-tech. Et malheureusement... Et voilà.
Malheureusement, oui, c'est notre première par contre, c'est vrai. Il y en a que deux, hein. Il y en a que deux dans Fable Nébuleuse, hein. Donc on est très content quand même, hein. Il nous la faut. Il y en a que deux, je crois, me semble-t-il, deux ou trois, pas plus. Cassiope. C'est le dresseur que je veux en SAR, mais ça sera pas pour cette vidéo. Zombie. Absol. En tout cas, je crois pas, parce que là, c'est le dernier booster. Un 6H. C'est Pietrop. L'art secret de Janine, la sœur. Archiduc. Ah, les premières reverse, doucement, Soso. Je crois que ça va pas. Non. Non, c'est un truc qui brille. Non, mais t'as un truc en dessous derrière. Une note. T'as un truc. Voilà. Oh, fil à canine. Dommage. Bah, on l'a eu deux fois en deux tours. Bah, en même temps, si on veut faire un deck, il nous la faut quatre oui. fois. Alors, oui, ça c'est bien dit, ça. T'as toujours les mots. Tu vois. T'as toujours les mots et ça nous fait plaisir. Donc, Félicanis, ex-Félicanix, ex-Terra cristallisé, SAR, une high-tech, une seule AR. Voilà, ouais. Niveau AR, c'est dur. Hein. L'AR promo, les deux promos et l'urne en gold. On a eu l'équivalent de deux alternatives, hein, finalement. Ouais. Donc, on est très content. On n'a pas de double, donc c'est bien pour les AR et tout. Ah, mais là, on est très content. Moi, je suis très content de cette ouverture. C'était une très, très belle ouverture, les amis, en une ETB et deux tri-pack. Honnêtement, magnifique. On vous fait des bisous. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On vous dit à bientôt. Portez-vous bien, tout le monde. Bye bye. À une prochaine. Ciao.